Bonjour à tous, fidèles auditeurs de la chaîne panafricaine IRI Info. Nous espérons que vous allez hyper bien ce nouveau jour. Aujourd'hui, dans cette nouvelle édition que nous avons réalisée rien que pour vos chers auditeurs, nous allons vous parler d'un fait historique qui s'est produit au Mali sous la direction du président libérateur, le colonel Assimi Goïta. En effet, chers auditeurs, selon les informations qui nous sont parvenues il y a de cela quelques jours déjà, le président libérateur du Mali, le colonel Assimi Goïta, aurait donné l'ordre qu'on puisse accumuler assez d'or du pays afin de pouvoir créer une monnaie puissante et une monnaie qui sera gérée au Mali et par les Maliens. Une nouvelle, chers auditeurs, qui va venir mettre sans doute une joie totale dans les cœurs de tous les Maliens qui sont désormais convaincus que le colonel Assimi Goïta est l'homme de la situation et l'homme qui fera régner l'intégrité territoriale du Mali et chasser les terroristes hors des frontières du Mali afin que les Maliens et Maliennes puissent vaquer leurs occupations et être en sécurité sur tout le territoire malien. C'est donc la raison pour laquelle, chers auditeurs, depuis ces jours, vous aurez remarqué que plusieurs tracts se font dans plusieurs villes du pays dans le but d'arrêter les trafiquants illicites d'or et également de les mettre aux mains de la justice. Car le colonel Assimi Goïta aurait donné l'ordre que, chers auditeurs, ce sont les compagnies nationales qui puissent exploiter l'or du Mali afin de créer une grande réserve sur laquelle il pourra s'appuyer pour créer une monnaie 100% malienne. Et, chers auditeurs, alors que le Mali veut retrouver toute sa souveraineté territoriale, le colonel Assimi Goïta n'oublie pas donc que pour que son pays puisse se développer, il aura besoin d'une monnaie forte et d'une monnaie qui ne sera pas gérée par une puissance extérieure. C'est donc la raison pour laquelle, chers auditeurs, les Maliens et Maliennes sont désormais réunis derrière le colonel Assimi Goïta pour le soutenir afin qu'il puisse créer une monnaie 100% malienne et une monnaie qui sera gérée par les Maliens afin de servir les objectifs de la transition ainsi que les volontés, aspirations du peuple malien. Chers auditeurs, nous allons revenir sur les moindres détails concernant tout ceci dans nos prochaines vidéos car c'est déjà la fin de celle-ci. Nous vous invitons donc par ailleurs à regarder nos anciennes vidéos et à vous abonner à la page. Rendez-vous dans une autre vidéo pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye.